오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 에이호, 에이호. On s'en va au boulot. Il est 3h, il est 3h, il est 3h30. Oui, oui, 3h30 du matin. Ils sont fous, ces Coréens. On ne se demande plus pourquoi ils sont devenus en l'espace de quelques dizaines d'années seulement la 12e puissance mondiale et un grand pays de course. Nous allons à l'entraînement sur l'hippodrome de Séoul pour voir les chevaux français Skipperia et Nimre qui vont sortir avant les chevaux locaux, c'est-à-dire, attention à la marche derrière toi, 4h du matin, c'est parti, feu, Francis. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto-métro ou vélo. Et voici les deux chevaux français qui sont là. Le numéro 1, c'est Nimre, monté par Alexandre. C'est le cheval présenté par Julien Philippon. Il participe à la Korea Cup. Et avec lui, c'est le numéro 4, la pouliche Alzane. C'est Skipperia, monté par Perrine. Et ils vont venir nous rejoindre. On va leur demander un petit mot en bord de piste, leur impression. Je vous rappelle que nous sommes jeudi. Donc dans 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Oui, ce sera effectivement le Grand Prix. La Korea Cup dotée d'1 million de dollars. Alexandre qui va venir se rapprocher de nous très sympathiquement et marcher tranquillement. Alors Alexandre, un petit mot, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, Nîmes, il est bien? Donc, du coup, ce qu'il a fait aujourd'hui, il a fait juste un petit galop de chasse car hier, Johan est venu le travailler. Johan Victoire, voilà. Exactement, il a eu des très bonnes impressions sur le cheval, sur la piste. On a essayé de lui apprendre à sortir des boîtes parce qu'ici, je pense que ça joue principalement là-dessus. Ouais, c'est essentiel, faut bien partir. Il faut des chevaux très durs, bien partir et tout de suite là. Parce que quand ça projette, il y a beaucoup de chevaux qui sont ralentis par ça. Parce qu'on a bien échangé avec les locaux ici, les entraîneurs locaux. On a vraiment bien travaillé le cheval avec toutes les équipes, que ce soit les vétos, les ostéos. Et on a étudié la course et je pense qu'on l'a amené à un niveau assez intéressant. Et on est prêt, les feux sont ouverts, le cheval est vraiment bien. Il n'y a plus qu'à. Et on a parlé avec le jockey Johan Victoire qui est très confiant, très très confiant au sujet d'Anime. Alors maintenant, on va se diriger vers, merci Alexandre, on va se diriger vers Skipperia. Elle peut pas l'arrêter. Elle va revenir, c'est pas grave, elle va revenir parce que là, on n'a pas le droit d'être sur la piste, hein, je vous le rappelle. On n'a pas le droit d'être sur la piste, nous brisons tous les interdits. Alors près de la Corée du Nord, c'est un peu bizarre. Alors, oula, elle marche vite. Canter ce matin, bien? Oui, très bien, la jument était très bien, détendue. Arrête, c'est bien passé. Ok, là elle est de l'avant, elle est pas trop tendue quand même. Toujours après, c'est Canter, elle est toujours comme ça. Merci Perrine. Voilà, ils sont prêts à bondir les chevaux français, la Korea Cup. On espère une première victoire française dans cet événement international qui se déroule donc sur l'hippodrome de Séoul ce dimanche 10 septembre avec Nimre et Skipperia, les deux chevaux français ici aujourd'hui à l'entraînement.